Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 31e épisode, si je dis pas de bêtises, dans Let's Play sur Final Fantasy VII Remake. Dans l'épisode précédent, on a ramené Aerys chez Madame M, elle est en train de s'occuper d'elle, elle est en train de lui mettre une robe, de la maquiller, de la préparer. Et pendant ce temps-là, nous on fait des quêtes annexes, alors on a fait petite quête des squats. Où, sur la première manche, en débutant, j'ai réussi facilement, on va dire. Par contre, pour le mode intermédiaire, je me suis fait battre à plate couture. Et après, j'avais une quête où il fallait que je retrouve le père du. Que je ramène le père du tailleur qui fait les vêtements au magasin. Mais il a fallu faire plein d'allers-retours à droite à gauche. Pas forcément une quête très intéressante. Oh, alors, qu'est-ce que t'as pensé de ta visite de ce quartier des désirs? Pour toi, j'imagine que c'était plein de nouveautés. Non, pas vraiment. C'est tout ce que t'as à me demander? Non. J'ai un dernier service à te demander. Tu souhaites porter secours à Tifa, pas vrai? C'est quoi exactement? Tu verras. Commence par te rendre à l'arène. Tu en sauras plus là-bas. Allez. Ok, donc il va falloir que j'achète les poupées, je suppose. Non. Attends l'ascenseur qui descend. Dommage, ça aurait pu être cool qu'ils remettent des méga potions comme ça. J'étais impatient de te voir, champion! Les tribunes sont vraiment pleines à craquer ce soir! À toi de donner du spectacle au public! Enfin, en tout cas, j'espère que c'était ça à faire. Et voilà! Le champion de ce soir, Cloud, est de retour dans l'arène pour votre plus grand plaisir à tous, cher public! On n'a pas de glace. Et face à ce combattant au cœur ardent, je vous présente ses adversaires au corps explosif. J'ai nommé les flamboyants et déflagrants Bombo. Allez, faites monter la température jusqu'au point de combustion. Que le combat commence! Je peux pas changer mon équipement. Yeah.
s'écarter un petit peu pour pouvoir se soigner. Parce que là, je souffre. Peut-être un peu trop comme un bourrin. Aïe. Répondre avec brio aux attentes toujours grandissantes de son public. Et dans l'arène tout entière retentit une véritable explosion d'applaudissements pour notre champion. J'allais dire je vais me soigner, mais au final c'est pas la peine. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était bien les quêtes. Ok, bon bah on a fait nos trois quêtes. Alors je sais pas si la ceinture de champion elle a vraiment une grosse utilité quand on réussit la quête des squats, mais en tout cas moi je vais pas forcer à la faire alors que j'y arriverai pas, en tout cas pas tout de suite pour réussir cette quête. Mais bon, en tout cas on a fait les petites quêtes avec ce qui était là. Bon, c'était pas très compliqué non plus, sauf que là c'était dommage que j'ai pas la de matériel de glace. Allez, allons chez Madame M.
voir comment Aerys s'est mise sur son 31. Qu'est-ce qu'elle a, Tifa? J'ai appris que les auditions auprès de Don Corneo allaient bientôt commencer. Si on fait rien, Tifa risque de... Mais tout seul, moi, je peux absolument rien faire. J'ai compris. Je t'accompagne. Hé, hey, Cloud, tu permets que je t'appelle Frangin? Pas question. Tu sais, moi je me dis qu'à toi, je pourrais te confier Tifa, Frangin. Mais dis, Frangin, comment t'as fait pour devenir aussi fort? Qu'est-ce que j'ai dit? Il est complètement fou, lui. Cette face... T'as de manier l'épée. Je suis complètement sous le charme. Comme ça, tchac, slash, là, là. Moi aussi, j'aimerais assurer comme toi, tu sais. Mais dès qu'il s'agit de s'y mettre, je me laisse avoir par mon côté romantique. Dis, Frangin, t'aurais pas de bons conseils à donner à un jeune dans mon genre qui cherche à s'affirmer? Non. Puis je suis pas ton frangin, moi. Allez, s'il te plaît. Bon, moi je vais attendre ici. Comment t'expliquer? C'est surtout que je veux pas te gêner, tu vois. Tu pourrais retourner chez Madame M et voir si Aerys sort de là. T'auras qu'à lui demander d'attendre que je revienne. Compte sur moi! Qu'est-ce que tu veux? J'ai obtenu une lettre de recommandation. Hein? C'est réservé uniquement aux femmes. C'est Aerys qui a été choisie. Ah. C'est la fille qui était avec toi? Dommage. Quoi qu'il en soit, les hommes peuvent pas entrer dans le manoir. J'ai pas besoin de ta permission. Hein? Fais pas n'importe quoi. Don Corneo est vraiment quelqu'un de redoutable. Si tu fais du grabuge ici... Quelqu'un devra forcément en payer le prix. Crois-moi, ça pourrait bien être quelqu'un que t'essayes de secourir. Ou encore quelqu'un qui n'a absolument rien à voir dans tout ça. T'as compris? C'est comme ça que ça marche par ici. Il reste encore un peu de temps avant que les auditions commencent. Si t'as vraiment une lettre de recommandation, tu devrais ramener cette fille. Personnellement, je te le conseille pas en tout cas. Demi-tour. Allez, poussez-vous de là! C'est pas une attraction! Mais dégagez! Ah. Allez, écartez-vous! T'en prie. Je suis prête. Ça te change drôlement. Ouais. Corneo aime ce genre de tenue, il paraît. Je sais pas, je trouve ça un peu exagéré, c'est gênant. Ouais. Claude! Dis-moi plutôt, Aerys,
Johnny, il t'a pas transmis mon message ? Si, si, il l'a fait. Mais malgré ça, je me suis quand même inquiétée. Cet endroit est bien plus dangereux que je l'avais imaginé. J'ai aucune idée de ce qu'on va te faire pendant cette audition. Y a pas le choix. Je peux pas te laisser y aller seule. Y aller seule ? Ça n'a jamais été mon intention. Allez, viens par ici. Où est-ce que tu m'emmènes ? Madame M m'a appris quelque chose tout à l'heure. Il paraît que quelqu'un s'intéresse beaucoup à toi, Cloud. Hein ? Ok, bon, ça va, Harry, c'est soigné. Très jolie robe, en tout cas. Bon, je peux pas courir, mais... On va suivre Iris tranquillement. Elle est très mignonne. On va obtenir une lettre de recommandation de son directeur, Andy Rodea. Comme ça, toi aussi, tu pourras pénétrer dans le manoir de Don Corneo, n'est-ce pas? Moi, je suis persuadée que tu seras très sexy avec des vêtements de femme. Hey. D'après ce que m'a dit Madame M, il est vraiment très rare que cette Andy soit charmée à ce point en voyant quelqu'un. C'est donc une chance inespérée, à mon avis. Tout ça, c'est pour secourir Tifa, n'est-ce pas? Attends. Qu'on soit d'accord, la question de savoir si tu vas le faire ou pas est désormais réglée. Il ne reste plus qu'à savoir comment tu vas le faire. Andy est quelqu'un qui a beaucoup de caractère. C'est Madame M qui le dit. Par conséquent, autant lui expliquer notre situation clairement. Le risque en vaut la peine, tu ne crois pas? Nous, les spectateurs, il faut que nous fassions que... Sinon, les gens sur scène ne pourront pas tout donner. Bienvenue à la ruche. Nos spectacles sont les plus divertissants de tout Walmart. Passez un agréable moment parmi nous. Je voudrais parler avec Andy Rodea. Vous devez être Cloud. Nous vous attendions. Qu'est-ce que ça veut dire? Andy m'a demandé de vous laisser entrer quand vous arriveriez. Je vous en prie, allez sur la scène au fond. La scène? Oui. Je vous en prie, veuillez avancer jusqu'à la porte au fond. On va visiter un peu, hein. Et ça, c'est quoi comme signe? Un rond, peut-être. J'ai pas envie de voir qu'il y avait un coffre là. Qu'il y a personne. Enfin, rien d'intéressant en tout cas. J'ai bien fait de m'en aider. Je n'ai pas peur de le dire. C'est l'entrée. Laisser tranquillement, hein. Oh, ça fait du bien. Fait du bien, on ne touche pas. Ah oui, non, il y a les aiguilles d'acupuncture dans le dos. Vous êtes son invité. Dites,
C'est bien la première fois pour vous, n'est-ce pas? Vous voulez peut-être vous entraîner un peu à danser? À danser? Pourquoi? C'est parce qu'Andy nous a demandé de faire comme ça! Allez! Allez, on va danser! Attendez! Appuyez sur les touches au bon moment, vous êtes dans de la ligne de rythmique de la musique. Observez bien les touches qui s'affichent à l'écran et tenez-vous prêt à appuyer. Pour avoir un timing parfait, vous devez attendre que la ligne rythmique et le panneau se superposent. Obtenir un score maximal vous permettra peut-être de recevoir un cadeau souvenir. Oh là, ok, je suis nul de chez nul. Comment dire, ça pourrait être pire, j'imagine. Oui, allez, on se rentraîne. On dirait bien que vous aimez ça. On va dire que c'était bien. Fantastique! Mais dites-nous, ce n'est pas la première fois que vous dansez, pas vrai? Non, c'est bon, on s'entraîne plus. On ne rigole plus maintenant. C'est l'heure du grand show. Que vois-je? Cloud! Tu caches bien ton jeu, dis-moi. Andy va bientôt arriver. Reste un peu avec nous en attendant. Qu'est-ce que t'es musclé? Tu mets quoi dans tes cheveux? Bienvenue à la ruche, mon cher Cloud. Alors comme ça, tu veux une recommandation? Mais bien sûr. Très bien. Tu vas d'abord devoir faire tes preuves. Danse avec la grâce d'une concubine. Et
Daenerys qui s'avance. Arriveras-tu à suivre mes pas? On va essayer. Par contre, le côté boys band, c'est clairement pas terrible. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas ça très intéressant. C'est mauvais. Plus d'excellent que de mauvais, ce qui est... Très bien, tu m'as vraiment ému. C'est bon, je vais faire de mon mieux pour faire de toi la concubine la plus désirable. Eh bien, que le clou du spectacle commence. Ça te sied parfaitement. La véritable beauté vient du fond du cœur. Écoute, Cloud. Être un homme ou une femme n'a aucune importance. Abandonne tes craintes et avance. Mmh.
Ouais, côté comédie musicale, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Ce soir, le spectacle était vraiment impressionnant. Hé, hey, regarde! Je fais la danse de la joie! Toi alors, t'es tout excité! Dépêche-toi de venir ici! Je me suis bien amusée. On va parler de ça en buvant! C'était de la pro, tu crois? Sûrement, Cloud, Andy avait c'était l'air vraiment étonné. Un spectacle inoubliable! Qu'est-ce que t'as? Hé, hey, Cloud! Arrête, s'il te plaît. Fais pas de commentaires. Juste une chose. Pas question. T'es vraiment trop mignonne. Ok, bah on a obtenu un trophée, ce qui est cool. Et ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures sur Final Fantasy VII Remake. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt, ciao.